suis bien accompagné ce matin. Samedi 3 juin. Là il est 11h du matin, 11h15. Ça fait 4 heures que je suis parti. Donc ce matin j'ai été accompagné par Lily. C'était mon hôte d'hier soir qui a voulu faire un petit bout de chemin avec moi. Donc on a fait à peu près un petit peu moins de 14 km ensemble. Puis là elle est repartie. Jean-Louis est venu la récupérer. Et donc je termine les 14 km, 15 km, parce que ça va faire 28 600, 15 km qui m'emmène jusqu'à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Alors je profite de ces derniers kilomètres sur les chemins. Bonjour. Je profite de ces derniers kilomètres sur les chemins puisque après ça va être de la route. Et malgré qu'il y ait une 4 voies, il y a quand même une route parallèle et ça va pas forcément être très agréable. L'état de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, lorsque j'ai fait mon parcours, j'aurais pu monter directement sur Saint-Malo. C'était à peu près la même distance. Mais ça m'éloignait de l'axe pour aller sur Strasbourg. Donc comme j'ai essayé de coller le plus rectiligne possible. Donc je passe, je traverserai la Rance un peu plus bas, à une quinzaine de kilomètres plus bas. Donc voilà, je vais sortir de Port-Saint-Hubert, donc commune de Plouer-sur-Rance. Voilà, donc quitter les Côtes d'Armor pour entrer dans le département d'Ille-et-Vilaine. Là donc je vais traverser le pont sur la Rance. Ah, les voileux là sont heureux avec le vent qu'il y a. Sacrée portée cette arche. Voilà, je rentre à Port-Saint-Jean.